Le monde m'a demandé aujourd'hui si j'étais stressé. Ce qui me stresse le plus, c'est d'avoir à aller me rendre aux tables, aller jaser avec du monde que je connais pas nécessairement. Lui, j'essaie juste de me dire que c'est pas mon mariage parce que sinon je vais être trop stressée. Je veux dire oui, je le veux, puis le reste, c'est simple. C'est du froufrou, là, c'est du plus. La cérémonie, vraiment. C'est ce qui me stresse le plus, mais c'est en même temps ce que j'ai le plus content. Oui, je vais être émotive. Puis je vais pas regarder ma soeur. Parce que si je regarde ma soeur, on pleure les deux. Hey, mon Dieu, je commence vraiment à le réaliser. On va en profiter pleinement, puis on veut que ça reste incrusté dans notre mémoire. Là. Mais je suis content. Oui, merci. T'es pas mal belle. Je suis pas mal content. Pas mal belle. Je pense que ça va être de voir Karel arriver avec sa robe. J'en ai aucune idée comment il va réagir. Je pense pas que je vais pleurer. Ça me surprendrait. Il est tellement pas stressé avec le mariage. On va voir. Le temps va nous le dire. Ah! Sublime! C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un beau moment. C'est le rêve de ta vie, d'avoir trouvé un prince charmant comme Philippe, de débuter une belle vie comme tu la voulais. Moi, je suis tellement heureuse pour toi. Des beaux moments, ça, c'est certain. Je me souviens encore de la première fois que je t'ai rencontrée. Je pense que c'est normal, parce que je t'ai trouvée tellement belle. Je me suis dit que je serais vraiment chanceux de pouvoir être avec toi. Je me souviens surtout que tu m'as dit que tu faisais aucun sport. Hein? Et que si ça me dérangeait, ben toi puis moi, ça fonctionnerait pas. Ben moi, dans ma tête, je me suis dit... est tellement belle, là. Le sport, là, pour l'instant, je m'en fous, hein? Ta tendreté, ta sincérité, ta générosité sans fin pour ceux que tu aimes. Ton sens de l'humour, ta volonté d'aider les plus démunis par la vie. Ton esprit d'éternel enfant qui a du plaisir avec un rien. Ton écoute. Ta foi en moi, en toi et en nous sont quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de toi. Elles ont fait de moi ces trois dernières années une compagne de vie comblée et je remercie la vie de t'avoir mis sur mon chemin. J'ai appris à te connaître. Et j'ai découvert une femme remplie d'amour pour sa famille et ses amis. Une femme qui n'a pas peur de regarder les choses en face, même si c'est pas toujours agréable. Être capable d'écouter l'autre et faire des efforts pour comprendre son point de vue, ça, mais c'est une de nos forces comme couple. Si on est ici aujourd'hui pour célébrer notre union, c'est en grande partie grâce à cette force. Tant que nous allons continuer à faire des efforts pour comprendre l'autre et ses sentiments, je suis confiant qu'on va pouvoir régler toutes nos chicanes à venir.
je nous souhaite une vie à l'image des trois dernières années, remplie de blagues délurées, de projets inspirants et d'amour grandissant. Tu m'inspires chaque jour à être une meilleure personne. Tu es mon modèle de vie, mon pilier, mon héros. Je t'aime. Une de ses meilleures qualités. Karel a un très grand cœur. La famille, c'est bien important pour elle. Puis d'être sensible. Chacun ses forces, puis on continue à apprendre à se connaître. Des fois, c'est pas de tout le temps vouloir changer l'autre, mais de comprendre, puis est-ce qu'on peut l'aider à s'améliorer puis à être mieux. C'est juste de voir tranquillement, pas vite, comment on peut influencer l'autre pour être mieux. Il y a 71 ans aujourd'hui que les grands-parents de Karel, Lucienne et Gérard, mes parents se sont mariés. C'est maintenant au tour de notre fille Karel avec son époux d'échanger les mêmes vœux de mariage. Cela nous fait grandement chaud au cœur. Nous tenons à vous en remercier. Depuis quelques années, nous sommes témoins des projets et des principes qui vont guider leur vie commune et nous en sommes très fiers. Je suis ému de voir Karel et Philippe prendre un engagement solennel de vie de couple. On le ressent vraiment, sincèrement. La première étape qui enclenche l'accélération du temps. C'est ce que ma mère me disait et c'est ce que j'ai récemment dit à Karel. Afin de bien absorber ce nouveau rythme de vie, le meilleur moyen est de vivre pleinement le moment présent. Malgré vos annonces, là, on est supposé le dire ensemble. Non, ouais, c'est ça. OK. Karel, je suis fière d'être ta grande sœur. Et t'as pas idée comment j'admire votre relation à Philippe et toi. Vous arrivez à être heureux sans avoir peur d'aborder des sujets difficiles. Votre communication est inspirante et renforce ces mêmes fondations jour après jour. Merci d'être présent dans nos vies. Que les projets qui vous tiennent à cœur se réalisent. Soyez heureux. Gardez le sourire. Philippe, Karel, vous êtes inspirant pour tous. Merci d'être qui vous êtes. Félicitations, mariée. Karel, ma sœur, ma meilleure amie, je te souhaite le plus grand bonheur du monde. Et avec Philippe à tes côtés, ça ne m'inquiète pas. Malgré vos jeunes âges, vous êtes parmi les couples les plus inspirants que nous ayons connus à ce jour. On vous aime tant. Je t'aime, Karel. Et je sais que tu m'aimes aussi. C'est pour ça que, ici, je te promets une chose. Je te promets que je vais continuer à faire tous les efforts nécessaires pour que toi et moi, ça dure tout le temps. Je suis honorée, heureuse et fière, Philippe et Karel, de vous déclarer officiellement Mari et femme.